Good morgen, allez, Iden. Nous sommes le jeudi 28 Adarbet 5776 et l'étude sera la Lunishmat Rachel Batsar Rivka Batsara et l'Irfuat Yosef Shmuel Ben Pnina et l'Izchut Bruria Bat Masouda. Quelle est la chance d'avoir une Leida Kala Beshata Tova Mutzlachat Bezrat Hashem. Nous étudions Baba Kama Perikret Mishnah Hey Amake Aviv Veimo Vasabaen Chabura Vachovel Bachavero Beshabbat Patur Mikulan Mpene Shehu Nidon Menafcho. Voilà une Mishnah très simple, étant donné qu'on connaît déjà tous ces sujets depuis les deux dernières Mishnayot. C'est fréquent ce style de Mishnayot dans le chasse, où la Mishnah veut nous enseigner des halachot en nous disant dans ce cas-là tu seras chayav et dans ce cas-là tu seras patour, pour bien nous apprendre à discerner les cas de figure. Et donc dans une Mishnah, la Mishnah va nous dire dans ce cas-là et ce cas-là et ce cas-là tu seras chayav. Et lorsqu'elle va passer ensuite dans la Mishnah d'après, elle va nous dire par contre, si tu en as rajouté un petit peu plus et tu es entré dans tel cadre, comme ci, comme ça ou comme ça, alors cette fois-ci tu seras patour, d'accord. Donc en fait, de ce fait, toute la lore de cette Mishnah sont complémentaires avec ce qu'on apprenait dans la Mishnah Gimel et dans la Mishnah Dalet. Dans la Mishnah Gimel, on apprenait le cas, on évoquait la règle du Kimle Bedarabamine, de celui qui fait de deux manières, celui qui fait sortir, qui frappe son père ou sa mère sans leur faire sortir du sang. On apprenait qu'il est Khayav des 5 Tashlumin, Nezel Tsahari, Pouishabet Bochet. D'accord ? Parce qu'il doit les dédommager, dans lequel il n'a pas fait sortir de sang. Notre Mishnah maintenant va nous dire, s'il leur fait sortir une goutte de sang, cette fois-ci, il ne sera pas tour de le dédommager, selon la grande règle. Kim le bedarbamine, occupe-toi de le juger sur la sentence la plus grave. Donc la Mishnah nous dit, Amake aviv ve'imo ve'asa ba'en chabura. Celui qui frappe son père et sa mère, ou sa mère, et leur fait sortir même ve'asa ba'en chabura, et leur fait une blessure, c'est-à-dire qu'il leur fait sortir une goutte de sang. Alors, la Mishnah va nous dire qu'il sera pas tour, Mikulan, il ne devra pas les dédommager, étant donné qu'elle a transgressé une faute sur laquelle il est passible de mort. Pour rappel, même s'il n'a pas fait exprès, donc il ne sera pas concrètement condamné à mort, mais puisqu'il transgresse une faute grave sur laquelle on est passible de mort, alors il sera dispensé de payer, c'est la règle du Kimle Bedarabamine, d'accord ? On l'a déjà rappelé vraiment beaucoup de fois. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. Deuxième partie de cette Reisha, de la première partie donc, Vachovel Bachavero Beshabbat Patur Mikulan. Là, on marche en parallèle avec la Mishnah Gimel. De nouveau, on apprenait celui qui cause un dommage à son prochain à Yom Kippour. Alors, Yom Kippour n'est pas passible de mort, donc il devra le dédommager. Notre Mishnah maintenant vient nous dit par contre, si tu blesses ton prochain pendant Shabbat, tu seras dispensé de le dédommager, étant donné que tu transgresses une faute sur laquelle tu es passible de mort, parce qu'on n'a pas le droit à Shabbat de faire sortir une goutte de sang. Voilà pour les deux cas. Étant donné qu'on a du temps devant nous, je veux apporter deux précisions quand même intéressantes des sujets évoqués dans la Gemara et dans le Rambam. La première partie d'abord, c'est sur la Gemara. Celui qui fait sortir, on avait dit, celui qui fait sortir une goutte de sang à son père et sa mère. Il faut savoir aussi, ça n'a pas la peine de faire sortir une goutte de sang extérieurement, même lorsqu'on leur fait un bleu, qu'on les frappe fort au point de leur faire un bleu, on considère que c'est même médicalement, quoi. Donc on considère qu'il y a du sang qui s'est libéré d'une veine pour partir se déposer sous la peau. Ça s'appelle aussi une chaboura et c'est une faute sur laquelle on est passible de mort. Ça, c'était la première information. Et deuxième aussi, halakha rapportée dans la Gemara aussi. Celui qui rend sourd son père ou sa mère, il y a la Gemara nous dit, c'est impossible de... Si on devient sourd après un coup, c'est que forcément, il y a eu à l'intérieur, dans l'oreille interne, il y a eu là-bas... quelque chose qui s'est déchiré, donc il y a eu une goutte de sang qui est sortie, donc on est de nouveau passible de mort si on a rendu son père, si on a rendu sourd son père ou sa mère. Loa Aleinu. Ensuite, sur la deuxième partie de la Reisha, on avait dit Achovel Bachavero Beshabbat Patur Mikulan. Alors là, il y a un petit sujet quand même intéressant. De manière générale, dans les Melachot, on a dit Patur Mikulan parce qu'on est Chayav, c'est une faute sur laquelle on est Chayav Mita en théorie. Celui qui transgresse Shabbat, il est Chayav Mita. Celui qui fait sortir du sang à Shabbat, il transgresse l'interdit de Hachochet. On n'a pas le droit d'égorger un animal pendant Shabbat. On n'a pas le droit de tuer un animal. D'accord ? Mais justement, alors là, il y a quand même une précision importante à apporter qui sera justement rapportée déjà dans le Bar Tanoura et aussi dans le Rambam, dans le Tosfot Yom Tov. Tout le monde précise cette halakha importante. Il y a une règle de manière générale dans Shabbat. On est Chayav sur les 39 travaux uniquement lorsqu'on fait un travail constructif. C'est-à-dire qu'on améliore la matière. Et pas lorsqu'on détériore. Par exemple,
Il y a, bien évidemment, construire un mur, construire un meuble, construire... Lorsqu'on construit une chose, ou encore lorsqu'on écrit quelque chose, donc on fait quelque chose de constructif, ouais, en écrivant, j'ai maintenant écrit des données qui m'aideront demain à me souvenir de ce que j'ai étudié aujourd'hui. Donc c'était constructif. Mais il y a aussi des melachot qui sont apparemment négatives. Tout comme sauter, détruire, creuser par terre, ou encore effacer quelque chose, ou encore déchirer un tissu. Tout ça, c'est des travaux qui sont négatifs, où on détruit. La Mishnah, la Gemara, Rabbi nous enseigne qu'on est chayav sur ces travaux, on est condamnable sur ces travaux uniquement lorsqu'on en fait quelque chose de constructif. Par exemple, je vais détruire un immeuble pour en construire un autre plus beau. Je vais déchirer un vêtement parce qu'il est trop long, donc il a besoin d'être coupé à une certaine taille, ou encore parce que j'ai besoin de mieux le coudre. Je vais être chayav parce que je vais effacer uniquement si j'efface de manière à ce que je vais pouvoir réécrire derrière. Il faut toujours faire une melacha constructive, positive, où on améliore quelque chose. En l'occurrence, question. Lorsque je donne d'abord une halakha, lorsqu'il y a un insecte qui me dérange, par exemple, ouais, un moustique, j'ai pas le droit de le tuer. Mais si je le tue malgré tout, puisque j'ai fait une melacha destructive, alors on ne sera pas tour de la transgression du Shabbat, on ne sera pas condamnable. Pourquoi ? Parce que j'ai fait quelque chose de destructif. Il y avait mon animal, j'ai pris mon couteau, sans le tuer positivement. Je lui ai mis un coup et je l'ai tué. Alors là, j'ai détruit l'animal. Puisque j'ai détruit l'animal sans aucune construction, je suis patour dans la melachat Shabbat. Je transgresse quand même un interdit midrabanan, mais pas l'interdit midoraita, étant donné que j'ai rien fait de constructif. Par contre, lorsque j'égorge, alors c'est pas que j'ai tué un animal, c'est que j'ai maintenant rendu un animal apte à être mangé. Maintenant, on va pouvoir faire des grillades demain. D'accord ? Donc là, on a une question. Celui qui frappe, on avait dit, Achovel Bechavero, Beshabbat, Patour, Mikulam. Celui qui frappe son prochain pendant Shabbat, on a dit qu'il est dispensé de le dédommager étant donné qu'il est condamnable à mort. Question, lorsqu'on frappe quelqu'un, on ne devrait pas, en théorie, être condamnable à mort étant donné que j'ai rien fait de positif, a priori. La question est claire ? C'est une question soulevée, donc, comme on a dit, par le Tosfot Yom Tov, dans le Rambam déjà. Et la réponse, elle est très simple et intéressante. C'est bien sûr constructif de vider ses nerfs et sa colère contre son voisin en lui mettant un bon point dans le visage. C'est positif dans la mesure où maintenant, ça m'aide à moi à me décompresser et à me dégager de ma colère. Donc de ce fait, c'est ce que ma mère s'est rapporté dans le Tosfot Yom Tov, c'est même dans le Bar Tanoura. D'ailleurs, on n'a qu'à le faire tout de suite, étant donné qu'il n'y a vraiment qu'une ligne de Bar Tanoura. « Mipenechi unidon menavsho » On avait appris que dans les deux cas de la Reisha, il est dispensé de dédommager étant donné que c'est une faute sur laquelle il est passible de mort. Bartanoa nous précise, Sheaf alpi sheu mekalkel, bien qu'en apparence il détériore, il transgresse un interdit de Shabbat que midera banane, parce que c'est un interdit qui est mekalkel, il abîme. La réponse elle est, Metaken hu etzel yitzro, il répare en réalité son yitzara, son mauvais penchant, son d'accord ? Son penchant de qui était en colère, chez shachacha hamato venach rogzo bekar, c'était le moyen de shachacha hamato de calmer, faire oublier, non c'est pas faire oublier, c'est calmer sa colère, apaiser sa colère, venach rogzo bekar, et comme ça maintenant il a réussi à se décontracter, donc c'était une transgression positive. Voilà pour le petit plus. Il nous reste maintenant la dernière phrase de la Mishnah, vachovel bevet knani shelo patur mikulav. Lorsqu'on apprenait dans le Mishnah des lettres, on a parlé du Eved, même dans le Mishnah Gimel en réalité, on parlait déjà du Eved Ivri, Eved Knaani. On parlait lorsque je cause un dommage à un Eved Knaani de quelqu'un d'autre, que je dois le dédommager, le propriétaire de l'esclave, mais pas l'esclave. En l'occurrence, notre Mishnah nous enseigne, lorsque je cause un dommage à mon propre esclave, je ne dois rien lui dédommager, même pas lui acheter un mars. Pour le réjouir un petit peu, j'ai pas de devoir pareil. Précision de nouveau importante, c'est on a appris que donc on a dit que lorsque je cause un dommage, je ne dois pas tour mikulan. La Mishnah nous insiste en nous disant tu dois rien lui donner. Donc ni tsar ni tsar nezek tsar ripui shevet bochet. Les cinq je dois pas les leur donner. Donc nezek, la dévaluation, c'est logique, c'est mon esclave, c'est comme mon animal. Tsar, à nouveau, c'est moi qui gagne ça.
Chevet et Bochette, le chômage et la honte, il n'y a pas de honte chez les esclaves, peu importe, c'est comme mon animal. Mais il y a quand même une question importante, c'est Ripouille. La Gemara dans Gittin nous enseigne, dans le Perek Rishon de Gittin, nous enseigne qu'un homme a le devoir de guérir son esclave. Parmi les... On a quelques engagements envers son esclave, surtout lui envers nous. Bien sûr, il doit travailler, il n'a pas le droit. Malgré tout, le maître a quand même quelques devoirs envers lui. Il doit notamment le nourrir, il doit encore le guérir quand il a un problème. Donc, qu'est-ce que signifie que la Mishnah nous dit « patur mi kulan » de cette précision-là, la Mishnah va nous apprendre, la Gemara va apprendre quelque chose de très important. D'abord, on va quitter le cas de l'esclave pour parler du cas de Ripouille, de payer les soins médicaux de son prochain. La Gemara nous enseigne, lorsque on va évaluer, j'ai causé un dommage donc à mon prochain, je lui ai coupé le doigt, ou peu importe, et maintenant il va falloir lui payer un ripouille, les soins médicaux. On va amener un médecin professionnel qui va évaluer le dommage. Il va fixer, tu sais, pour ce doigt-là, tu dois lui donner 1000 shekels de soins médicaux. Si maintenant, une fois que le médecin a fixé 1000 shekels, il s'avère que cette personne a un coup de chance et guérit très rapidement. Mais c'est pas que le médecin s'est trompé dans son évaluation. C'est que concrètement, hein, il a eu une aide du ciel, il a guéri très vite. Et donc, concrètement, il a dû donner que 200 shekels au médecin parce que ça a été une histoire de 10 minutes de lui recoudre la petite blessure et tout s'est très bien passé. Alors la Gemara nous dit malgré tout, je dois lui payer les 1000 shekels que le médecin a évalué parce que le dommage que je lui ai causé du ripouille, c'est 1000 shekels et c'est pas 200 shekels. Et mina shamaim, du ciel, on a voulu lui donner à ce pauvre bonhomme, on a voulu lui donner un petit cadeau de 800 shekels. D'accord, la donnée est claire? Partons de ce principe. Maintenant, on revient sur notre Mishnah. On avait dit que je ne dois rien payer à mon esclave, je ne dois pas l'indemniser. Aucun des cinq. Mais malgré tout, je dois quand même lui donner le ripouille. Et le ripouille, les soins médicaux. Or, le ripouille, c'est un des cinq. Alors quoi? Je dois lui donner ou je ne dois pas lui donner? La Gemara explique que je dois le guérir, mais je ne dois pas l'indemniser en lui donnant du cash selon l'évaluation. C'est-à-dire, si on reste avec le même cas de 1000 shekels et 200 shekels, donc 1000 shekels, c'était l'évaluation du dommage, et puis il s'avère qu'en réalité, au bout du compte, je m'en sors pour 200 shekels, je ne vais pas lui donner les 800 shekels pour qu'il aille se payer aujourd'hui une petite journée détente. Non. Les 800 shekels, c'est moi qui les garde parce que je dois, certes, le guérir, mais je ne dois pas l'indemniser en lui donnant les soins médicaux. Voilà pour la Mishnah pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.